taille de l'organe génital de l'homme est un facteur clé pour apporter du plaisir à son conjoint. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Ah, c'est une question. Voilà, merci. Merci. Parce que je me disais, mais c'est bizarre comme affirmation. Merci de l'avoir précisé. La réponse est non. Plusieurs études qui l'ont démontré, c'est-à-dire c'est pas juste un truc de sexologue pour rassurer les mecs. Et il y a une étude en particulier, ben, Diane, il y a une vidéo qu'on a faite sur la taille du pénis et il y a une autre vidéo qu'on a faite sur les préférences des femmes sur la taille du pénis. Et on sait, quand on demande à des femmes, on leur présente par exemple des moulages ou des reproductions de pénis de différentes tailles, différentes formes, etc. Et ben, figurez-vous que les choix des femmes se portent sur des pénis qui sont en fait à peu près dans la moyenne de ce qui existe déjà dans la nature chez l'homme. La taille moyenne en Europe, on dit aux alentours de 13, 13,5. Ben, les femmes ont choisi des pénis qui sont aux alentours de 13,5.